vivant parmi les morts. Jésus-Christ n'est pas ici. Est-ce qu'on peut acclamer la puissance de notre Dieu? Jésus est vivant. Pourquoi cherchez-vous celui qui est vivant parmi les morts? La mort ne pouvait pas engloutir Jésus jamais. Parce que c'est lui la vie. Il dit, je suis la résurrection et la vie. Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra même s'il est mort. Sur cela, tu dis ce que tu vis, c'est une petite situation. Je vais écraser cette situation. Je veux que tu lui fasses confiance. Il écrasera cette situation. Il écrasera cette situation. Tout ce qui demande, c'est de lui faire confiance. Dieu est puissant. Dieu est merveilleux. Il est Seigneur et Seigneur. Il est vraiment souverain. Really. Et on ne peut pas le comparer à quelque chose. Il est tellement merveilleux. So quand je me rappelle des années en arrière, remember, ago, j'étais né à nez avec la mort. Face to face to death. Et j'ai vu Jésus-Christ s'est révélé à ma personne. Je ne croyais pas en lui. Je ne savais pas que c'est lui qui pouvait m'apporter une solution. Parce qu'on m'a jamais enseigné ça. J'étais né à nez avec la mort. Et quand j'ai vu sa main, il m'a délivré. Sur cela que, frère, Jésus va te délivrer. Amen. Tu crois la puissance de Dieu maintenant? Tu crois la puissance de Dieu? Do you believe the power of Jesus? Cette sœur, dans sa destinée, elle doit servir Dieu. Mais en même temps, la sorcellerie a commencé à travailler dans sa vie à point de lui donner une chair humaine. Elle va servir Dieu. Elle va participer à sa descendance. It's part of her destiny. Mais j'étais en train de la détruire avec un poison. C'est une chair humaine qu'on a fait avaler la sœur qui est en train de la détruire. Mais Jésus est Seigneur. Jesus is the Lord. Jésus te délivre. Jésus te restaure. Mental restore. Sa puissance. His power. Se manifeste dans ta vie. Demonstrating your life. Sa puissance. His power. Se manifeste. Is demonstrating dans ta vie. In your life. Il est Seigneur. He is the Lord. Il est sorti victorieux du tombeau. He came victorious from the grave. The third day. Le 3, le chiffre d'accomplissement. Jésus est sorti victorieux du tombeau. À cause de toi et à cause de moi, Jésus-Christ a vaincu la mort. Nous sommes face à une situation en tant qu'enfant de Dieu, en tant que croyant. Nous ne devons pas lâcher, nous ne devons pas faiblir. Nous devons toujours faire confiance à notre Seigneur. Lord, la puissance de Jésus. The power of Jesus. Jésus. Il est sorti du tombeau. Came out from the grave. Il est ce matin présent. He is present. Il est au milieu de nous. Among us. Pour te restaurer. To restore you. Pour te délivrer. Deliver you. Oui, Jésus. Yeah, Jesus. Pour te délivrer. Is delivering you. La puissante main de Dieu. The powerful hand of God. De faire du bien. Is doing you good. De faire du bien. Doing you good. Ce matin. This morning. Il est sorti du tombeau.
Yeah.
Libérez-la au nom de Jésus maintenant. Allez, go. Lâchez-vous. Jésus est Seigneur, vous la délivrez encore. Jésus est Seigneur et puissant. Sa main délivre un chemin. Sa main délivre un chemin. La main de ton Dieu délivre un chemin. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, on lâche sa main. Lâche-la. Lâche-la. Et quitte définitivement sa vie. Dans le nom de Jésus, quitte définitivement sa vie. Ce corps ne t'appartient pas. Cette vie appartient désormais à Jésus. Il règnera comme maître. Lui comme maître, ce corps. Jésus dit, on dira que Jésus meurt. Au nom de Jésus. The power of Jesus Christ.
Come! I command. Allez! La puissance de Dieu. The power of God. Qui fait tomber les chaînes, l'esclavage. Qui fait tomber les chaînes, dans le nom de Jésus. Nazareth. Dans le nom de Jésus. In Jesus' name. La puissance main de Jésus. The power from Him. La puissance main de Jésus. The power from Him. Jesus. Allez! La puissance main de Jésus. The power from Him. Jesus. Quelque chose se passe dans le sommeil du Seigneur. L'Esprit de Dieu fait tomber sur nous. Sa gloire se manifeste. Sa gloire agit maintenant. Right now. Et sa puissance his power te libère. Releasing you. Au nom de Jésus. In Jesus' name. Le monde tombe. Au nom de Jésus. In Jesus' name. Je te fais asseoir. Selon l'Esprit de Dieu. According to the Spirit of God. Dans le mariage. In the wedding. Amen. Tu vas la lâcher. You're going to release him. C'est un ordre. It's an order. Tu vas la libérer. Release him. C'est... Tu vas libérer sa vie. You'll free your life. Dans le nom de Jésus. In Jesus' name. Quitte définitivement sa vie. Forever your life. Dans le nom de Jésus. In Jesus' name. La main de Jésus te libère. His hand is visiting you. Sa puissante main. His powerful hand is visiting you. Il est sorti victorieux du tombeau.
who can hold victories from the grave. Sauf cela, tu te mets en genoux devant Jésus. When you stand devant la puissance de Dieu. In front of Jesus. Devant la puissance de Dieu. In front of the power of Jesus. David dit c'est à l'éternel qui apporte la victoire. C'est vrai que nous vivons des combats, mais c'est à Dieu qui appartient la victoire. C'est pour ça que je prophétise ce matin, il te donnera la victoire, il te donnera la victoire que tu traverses. Par ces difficultés que tu traverses, ton Dieu te donne la victoire. Il fasse tes ennemis son marche-pied, il marchera sur eux. Oui. La puissance de main de Jésus. The power of Jésus qui fait vivre. Jesus. Jésus qui fait vivre. Voilà, Jésus qui libère. La puissance de Dieu. The power of God. La puissance de Dieu. The power Dieu of God. Délivre ce matin. Jésus te délivre ce matin. Jésus te délivre ce matin. Elle est libérée ce matin, ce qu'on peut acclamer. Ne touchez pas à mes points. Donc, comme ils ont décidé de te faire périr, la mort est tout contre eux. Au nom de Jésus-Christ, la mort est tout contre ceux qui ont veillé à ta vie. La mort est tout contre ceux qui ont bloqué tes finances. La mort est tout contre ceux qui ont bloqué tes papiers. La mort est tout contre ceux qui ont bloqué ton mariage. Dans le nom de Jésus-Christ, je déclare libérer ton voyage. Je déclare libérer ton argent. Je déclare libérer ton enfantement. Je déclare libérer. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Jésus est Seigneur. Jesus
est sorti victorieux du tombeau. Il règne aujourd'hui sur ta vie. Nous Jésus, toute la confesse. Sa main vient. Au nom de Jésus. Amen. Reçois la puissante main de Dieu. Qui te libère ce matin. La puissante main de Dieu. Qui libère ce matin. La puissante main de Dieu. The powerful hand of Jesus ce matin. Is releasing you. La puissante main de Dieu. The powerful hand of Jesus ce matin. Is releasing you. La puissante main de Dieu. The powerful hand of Jesus ce matin. Is releasing you. La puissante main de Dieu. The powerful hand of Jesus. La puissante main de Dieu. Te libère ce matin. Is releasing you. Receive the grace of God. Come on! I command. La puissante main de Dieu. The powerful hand of God. Fire! Fire! Allez! Go! Allez! Go! Allez! Go! Tu descends dans une bouteille. Fill it in the bottle. Et Dieu va te libérer. Go to the redes. Remis ton âme et tout ton avenir. They have pushed your finger, your sound, and the bottle. Lâchez sa vie. Release his life. I'm gonna go.
On a la vidéo. We have the video. Vous voyez, je l'ai vu rentrer dans la salle en train de glorifier Dieu. Elle est venue ici. Où est son frère? To praise the Lord. On l'a mis dans les chaînes. She was in chains. Je suis réjoui de la voir. I'm really enjoyed to see her. Quand vous l'avez envoyé, qu'est-ce qui s'est passé? Elle t'a mordu, montre-moi. Où est ta mordu? Regardez ce qu'elle a fait, monsieur. Viens. Regardez ce qu'elle a fait. Quand l'a envoyé. Va t'asseoir. Ça va, va t'asseoir. Va t'asseoir. Come on.
Dieu est puissant. C'est une église pentecôtiste. Nous croyons la puissance de Dieu. Nous ne sommes pas dans les méthodes. C'est Dieu qui oriente le culte. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus-Christ? Elie la gona, on va guérir.